Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Alors, on se retrouve un dimanche soir. Et sur un jeu qui n'était pas prévu. ExoOne, disponible sur le Xbox Game Pass. Je suis vraiment tombé dessus par hasard ce matin. Et je me suis dit, quoi de mieux pour finir cette semaine. Découvrons ça. Un jeu qui s'annonce très chill. Disponible sur le Xbox Game Pass. Ok. Oh, ça commence, je ne peux rien faire, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre ça. Eh ben. Monsieur Microsoft. Attendez, on va recommencer. Que se passe-t-il ici? Je n'arrive pas à lancer le jeu. Pourquoi? Et c'est le Mewen. Des soucis? Bah oui, aussi, le jeu ne se lance pas. Moi, je voulais faire une petite soirée là sur ce jeu. Et attends. Nouvelle partie. Voilà, je lance. Et après, je dois faire quoi? Ah voilà, c'est bon. Avertissement, ce jeu peut provoquer des cris chez les individus souffrant d'épilepsie photosensible. Est-ce que je souffre d'épilepsie photosensible? Non. J'ai rompu les liens qui me rattachaient à la Terre et dansé dans le ciel sur des ailes riantes et argentées et accompli une centaine de chaînes de choses. Ça va trop vite pour moi. La Terre, maintenez à pour passer, non. Télescope radio ont reçu un signal d'origine extraterrestre. Contenant les plans de fabrication d'une sonde exoplanétaire de forme sphérique. Le seul survivant de la désastreuse mission Jupiter a déclaré « C'est à moi que le signal est destiné. » Et... je peux les ramener. Faut lire vite, hein. Flashback. Sagan 4. Croix V. Non, bâton V. Si je comprends bien, le vaisseau n'utilise pas le moteur comme le ferait une fusée classique. Vous avez parlé de gravitation, gravitationnelle, c'est exact. Lorsque le système s'active, la gravité est multipliée par 10. Une fois désactivée, elle se stabilise au niveau de celle existant à la surface de la Lune. Cependant, ça ne reste jusqu'ici que de la théorie. Vous voulez dire que la construction n'a pas encore commencé? Comment ça? Maintenir RT pour voler. C'est quoi RT? Je sais jamais moi. Mais c'est celui-là, ouais.
relâcher pour voler. Et RT. Ok. Là, je me laisse aller. RT pour descendre et je relâche pour voler. Là, je descends et je relâche pour voler. Ok. Et là, je me laisse tomber. Tel un caillou. LS déplacement. Ah. Classique. On y va. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui. C'est ma faute. Je devrais utiliser les tremplins peut-être. Je ne l'ai pas fait. Ah, c'est un jeu qui s'annonce très contemplatif. Succès déverrouillé. Supersonic. J'ai pas compris ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Succès déverrouillé. Et c'est la fête des succès, là. C'est en effet très joli. C'est un jeu qui s'annonce très très joli. Regardez RS. Sérieusement. Ça, je vais l'avoir, j'ai raté. Ah, j'ai raté le méga tremplin de la mort là. Juste ici. Je sais pas où je dois aller là. Je suis même pas obligé d'aller là-bas. Attends, non, ici. Est-ce que je peux revenir en arrière? Attendez, on va revenir en arrière. Ça, je peux faire quand même. Ce serait triste de pas le faire. Il y a un méga tremplin là. C'est bizarre. Regarde ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Petite boule! Attends, son jeu qui répète un peu, attends. Dans le doute. Voilà. Je sais pas où je dois aller là, donc on avance tranquillement. Tout droit, toujours tout droit. Le son, il n'y a pas beaucoup de son en soi. Je sais pas ce que tu entends, mais le son là, j'ai du son de vent. J'ai uniquement du son de vent là. Mais oui, on a des trucs verts qui apparaissent. Distance du menu de transport réduite à 40 km. Ah, c'est peut-être dans le jeu, je sais pas si... Ah bah c'est le jeu, c'est parce que je vais... Non, mais tu... Il y a une des bugs, mais... Non, mais c'est dans le jeu. Ah, c'est dans le jeu. Ouais, c'est dans le jeu. Ah bon? Regarde sur
Au moment où il regarde sa tablette, évidemment. Bon, vraiment découverte. Là, je sais pas ce que je fais. Là, j'ai ma petite boule. J'ai rien compris. Je sais pas trop ce qu'on fait. Je sais pas trop où on va. J'ai pas de map. J'avance juste. Et salut Dave, comment vas-tu? Bienvenue à toi, j'espère que t'as passé un très bon week-end, que tu passes une très bonne soirée. Ouf! Que s'est-il passé là? Changement de décor. Tranquillement. Ça va être très joli. J'ai vraiment envie, c'était le but aussi. T'as un petit crépitement aussi, mais tu penses que ça vient du jeu. Ah, c'est possible. La musique du son pour le moment est très bizarre. On a du vent. On a de temps en temps une petite bande sonore. Le son du jeu lag. Ah, mais ça c'est embêtant ça. Est-ce que t'as le même souci? C'est bizarre. Qu'est-ce que je dois faire moi ici? Je peux rien faire là? Juste aller tout droit. On suit le désert tranquillement. On va attendre quand il y aura plus de musique, on verra si ça le fait à chaque fois. Ah, c'est pas impossible, hein. C'est la première fois qu'on fait un jeu sur la Xbox. Notre premier jeu sur la Xbox. On a évidemment plein de problèmes, comme d'habitude. On va régler ça. Ah, il m'a changé de direction. Là, il m'a fait... Ah, je dois peut-être viser le truc là-bas, là. Ceci, là, qu'est-ce que c'est? Regarde ça, boum! Je ne sais pas du tout ce que c'est le but du jeu. Ah, je suis tombé vraiment dessus par hasard. Apparemment, c'est un jeu quand même assez contemplatif. Et je viens de le commencer. J'ai ma petite boule. Là, tout ce que je peux faire, c'est gagner de la vitesse. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Je ne sais pas où je dois aller. Je n'ai aucune idée pour le moment. On est vraiment lâché là-dedans. Je peux prendre de la vitesse, ça je peux faire. C'est peut-être ça le but du jeu. Ah, c'est un petit jeu qui apparemment est pas très long. Disponible sur le Xbox Game Pass. C'est pour ça que j'étais dessus. J'ai vu plusieurs personnes aller dessus tout à l'heure. J'ai vu qu'il était sur le Game Pass. J'ai fait, bah tiens, on va aller voir ça. Je vais aller près du laser là-bas. On va voir un peu ce que laser peut faire là-bas. C'est le seul truc... Ouais, t'es vraiment lâché ici sur le... On est sur Jupiter, je pense.
On est sur Jupiter. Boum. Oula. Ça, c'est ce que Mewen pense être des bugs graphiques. Mais c'est dans le jeu, c'est normal. Oula. C'est censé être normal, je pense. Aïe, ça j'aurais peut-être pas dû. Voilà, je voulais aller là-bas. Ceci, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux faire quelque chose ici? J'ai la musique qui change, pourquoi? Ah, 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 ah! Stargate. Quoi qu'il arrive, promets-moi que tu vas revenir, d'accord? C'est le chemin. Ça a l'air d'être le chemin. C'est par ici qu'il faut aller. Toujours ce bruit de vent. Gnoi. Bon. Je crois qu'on a fini Jupiter. En même temps, faire du tourisme à Jupiter. Ah non, on approche de l'orbite haute au-dessus de Jupiter. On vous revoit de l'autre côté. Bonne chance. Je vais de l'autre côté de Jupiter. En même temps, c'est rond, il suffit d'aller tout droit. Les plans ne semblent pas faire mention d'un cockpit ou d'un espace interne où pourrait se tenir un pilote. Du coup, comment a-t-il été possible de le faire voler? De faire voler quoi? Je crois qu'il est important que nous arrêtions de penser en termes humains et que nous fassions confiance à leurs plans. Les plans de qui? Et pour votre information, il est capable de bien plus que juste voler. Qui ça? Je crois qu'on parle de ma petite boule, là. On va tout droit. Le but, c'est de prendre de la vitesse, je pense. Je vais suivre le laser là-bas. C'est joli. Allez, c'est bon, c'est parti. C'est parti. J'aime bien les couleurs. Ah non, j'ai perdu ma vitesse. Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai raté mon coup. Je vais aller près du bâtiment. C'est un bâtiment là-bas? Je sais pas trop. On va aller par là-bas. Est-ce que je peux aller plus vite? J'ai qu'un bouton pour le moment, est-ce que c'est normal? Il y a 50 boutons sur ma manette. C'est vrai que c'est assez joli.
Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Encore une fois la planète là. Ouille. Quelque chose me dit que je suis arrivé au bord du niveau là-bas. Je peux pas aller plus loin. Attends, je peux regarder ailleurs? C'est bizarre, j'étais tout droit et j'arrive au bout. Je peux rien faire là-bas. Ah, peut-être là-bas, attends. Je sais pas trop. C'est très bizarre, hein, la musique, le son, là. J'ai envie de voir ce que c'est, ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce à dire que ceci? On s'y rapproche tout doucement. On commence à prendre un peu de vitesse là. Ah, proximité, site d'énergie. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un mur, très bien. On va le contourner. Voilà, ensuite. Et j'ai aucune idée de ce que je fais, hein, là. Là, j'essaye de suivre ça. Source d'énergie détectée. Proximité, loin. Là, il met une équation, j'ai rien compris. Ah non, allez, va pas par là. Je viens de voir là-bas ce qui se passe. Le problème, c'est que si j'appuie sur... Attends un peu. C'est moi ou ma boule l'a grandi là? Je vais là-bas. Ah. Et c'est très très bizarre. Ah tiens, je me fais décoller. Qu'est-ce qui se passe? Wouah, que s'est-il passé? Et quoi, il y a une map? J'ai juste à aller tout droit. Je renverse ce truc là. Ah, on va aller voir là-bas. Il y a une espèce d'allée là-bas. Et j'ai pas de musique. J'ai pas l'impression d'avoir de la musique. Est-ce que c'est la musique de mon jeu qui déconne? Peut-être.
C'est très particulier, ouais, c'est hyper particulier. Et surtout que tu sais pas du tout ce que tu dois faire, là, c'est bon, je vais aller au milieu de ces trucs-là. Ça a l'air d'être ça. Ah, mais je prends de la vitesse quand je vais au milieu de ces trucs-là. Attends un peu. Attends un peu, je crois que j'ai de la vitesse là-bas. Moi, c'est la musique qui me paraît bizarre. On n'a pas de son ici. Tu vois, ça, je prends de la vitesse là. Et puis là, boum! J'ai perdu toute mon accélération. Hop! Est-ce que c'est la musique normale du jeu? Ou est-ce que ma console a complètement buggé avec le son? C'est bizarre quand même. Et j'avais lu une bande son épique sur le jeu. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Attends, j'ai perdu complètement là, il m'a fait changer. Il m'a fait changer de cap, pourquoi? Attends, là j'arrive en plein milieu, regarde ça. Faire. On sait rien, moi. Ouais, on va redémarrer. Je vais essayer de finir le niveau. Ici, si j'arrive à le finir. Ensuite, on va redémarrer le jeu. Je suis assez d'accord avec toi. Il m'a fait bouger, là. Je vais aller là-bas. Je crois que c'est là-bas que je dois aller. Les espèces de laser, ça a l'air d'être la fin des niveaux. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai pas la musique qu'il faut, donc on va redémarrer le jeu. On va finir le niveau là-bas, et je peux redémarrer le jeu facilement. Attends un peu. Paramètres. Audio. Et si je vais au menu principal, il fait quoi? Ok, on va finir le niveau. Je finis le niveau, puis ensuite on sort, on revient au niveau prochain. Et on vérifie, là c'est bizarre. En fait, je dois chaque fois aller là où il y a ce grand laser. Le grand laser, c'est la fin du niveau. Ok, ça j'ai compris. Mais je suis censé avoir de la musique. Là, on n'a pas de musique, c'est bizarre quand même. Si j'ai appuyé, ça fait quoi? Ok. Là, si j'ai appuyé, ça fait ça. Wow! Ça me fait tout perdre. Vas-y! Et tu m'étonnes que les épileptiques peuvent avoir des problèmes, quoi. Ah, c'est pas moche en soi.
Ouais, j'aurais peut-être dû passer dans les tours. Pour aller jusqu'au laser. On va aller voir jusque là-bas. Ce que je peux faire. Oh, ça devrait pas être bien compliqué. Hein. Et normalement, j'ai un vaisseau. Ça doit se transformer en vaisseau d'un moment ou à un autre. Tiens, on va aller jusqu'à la lumière là-bas. En fait, c'est ça que je devrais voir dès le début. Quelles sont les lumières à voir dès le début? Tiens, là, ça me dit quelque chose. Ça va être une espèce de porte. Ah, c'est un jeu très court, normalement. Je vais mettre 2000 ans à le faire, évidemment. Classique. Tiens, ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je peux aller là-bas. Oula, je suis transporté vers ce truc. Que se passe-t-il? Il y a un truc détecté. V égale x2 moins x1 divisé par t2 moins t1. On résout l'équation. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me laisser guider là? Ça avance? Ça avance pas? J'en sais rien. Si je me laisse transporter par le flux, que se passe-t-il? Wow. Là, je vais probablement prendre ce qu'il y a... Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Allez. Je suis où, là? Je suis tombé? Ah oui, ok. Je dois essayer de suivre le flux. Mais sans me prendre le mur, là. Tiens, ça. Je vois rien. C'est quoi cette caméra? Vas-y! Ça fait quoi si je vais là-bas? J'ai eu un truc. Niveau de puissance augmenté. Bien. Bien, bien. Et où est-ce qu'il était le flux laser? La fin du niveau, c'était où? Je me demande si je dois pas aller là-bas. Pour me faire monter sur le bâtiment. Je crois qu'on est revenu au début, mais c'est pas grave. Ça, je crois que ça me permet de me faire monter. Ouais, c'était vraiment tout proche de la spirale, mais je crois que, vu qu'il était en hauteur, on va prendre celui-ci. Avec ça, je vais monter. En fait, j'ai découvert la planète pour rien. Ça va me faire monter. Allez. Allez. Il a pas voulu. Attends. C'est où le début? Voilà. Donc là, je monte. Je suis le flux. Le but, c'est tout là-bas au bout maintenant. Et salut Ratrax, comment vas-tu?
Il était. Le développeur était pas bien. Et ça a rien changé là. Qu'est-ce que je dois faire? Et la caméra, elle a du mal, hein. La caméra, elle a du mal. Bon bah, salut Pascal, comment ça va? Je vois même plus où il est le laser, qu'est-ce qui se passe là? Il est là-bas? Il y a un brouillard, je vois rien, il est là-bas. Comment je pourrais aller là-bas? Faut aller là-bas. On l'a vu le laser, c'est bon. Tan 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 tan. C'est un peu particulier là, bon. Je vois il est là-bas sur la droite. Donc je vais aller tout droit voir s'il n'y a pas moyen de l'atteindre par là-bas. Je sais pas là, je suis dans le brouillard total, complet. Il est où? Il est là-bas. Et t'as aucune indication, hein, c'est juste bon bah vas-y. Casse-toi la tête. J'ai eu un bonus quand même. Maintenant, à quoi me sert ce bonus? Ah tiens, là-bas. Là-bas. Faut comprendre un peu ce que le développeur avait dans la tête. Plein de trucs visiblement. Faut juste finir le niveau. Parce qu'on a vraiment un son très bizarre. Où est-ce que je suis là? C'est quoi ça? Bon, tout va par là-bas apparemment. Et j'ai un son de grenouille, moi, qui me trotte dans les oreilles depuis le début. Comment ça se fait? Ah, ça a changé ça? Ah, on a de la musique! Et faut peut-être juste avancer dans le jeu. Un peu comme 340, 240, 140, 140. T'as la musique qui arrive au fur et à mesure. Faut aller là-bas. Ok, j'avais pas suivi. Écoutez, on a fait un petit tour là de Jupiter. J'espère que ça vous a plu. Très jolie planète. J'y passerai pas mes vacances. Chacun son truc. Hein. On va aller là-bas. Il y a eu une petite musique en plus. À mon avis, la musique va arriver au moment même. 140. 140, c'est vraiment un sacré jeu, ouais. Pas évident. Très très chouette, hein. Si vous aimez les jeux musicaux, 140. C'est très court, hein. C'est une heure ou deux. Très très chouette. Et t'as vu ça? Je commence à comprendre le truc, là. Il y a des dunes. J'ai cru entendre un petit nouveau de musique. Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était le jeu? T'as pris en cours de live, un peu bizarre. Ouais, mais c'est le début. C'est bizarre pour moi aussi. Même pas en cours, on comprend rien.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre le truc. Je comprends rien. Je comprends absolument rien. Là, je vais vers la lumière. Gloria! Et rassure-toi, Pascal, on ne comprend rien. On ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas où on va, on ne sait pas. Enfin, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'était sur le Game Pass. Je l'ai installé. Et je dois aller vers cette lumière là-bas. C'est très particulier. C'est très joli, hein. Ça oui, ça... Si vous aimez les montagnes... On va au ski. Et quoi, je vais remonter? Ah, je dois aller là-bas. Et on se rapproche. Je comprends pas trop, mais je sais qu'on se rapproche. Vas-y, monte. Monte, petite boule. Attends, il est où? Ah, oh, j'ai perdu de vue. Non. Non. Et il est loin. Et il est super loin. C'est ça que je dois faire. Et j'ai l'impression qu'on fait... Tourne en rond, c'est possible ça? Je suis dans l'eau là? Ça ressemble à de l'eau, non? J'ai l'impression de flotter. Appelle un oiseau. C'est chelou, mais tellement. Et ça avait l'air bien sur papier. J'ai vu 2-3 vidéos, ça avait l'air très cool. Et j'ai l'impression que je le joue pas comme il faut. D'un côté, je dois faire quoi? Je dois aller là-bas. Ça, c'est le point où je dois aller. Et comment je fais pour y aller? Le nom du jeu, c'est ExoOne. Un petit jeu indé sur le Xbox Game Pass. Qui avait l'air très sympathique. Mais qui est très bizarre. Non, c'est peut-être moi qui ai rien compris au jeu. Je dois suivre la lumière. Ça fait une heure là qu'on suit la lumière. Remonte, remonte. Remonte, petite boule. Et j'arrive pas à l'atteindre, c'est trop loin. Mais elle fait 1 million de kilomètres, cette planète. Je crois que j'ai rien compris. Voilà, là, on va tout descendre. Pfiou. Faut aimer les montagnes russes. J'ai l'impression qu'on s'éloigne à chaque fois. Bah, c'est bizarre. Y a Mewen qui essaye d'ouvrir la porte là. Est-ce que je peux seulement atteindre ce truc là là-bas? Et t'as aucune indication. Est-ce que je suis dans le bon? J'en sais rien moi. On verra.
J'ai l'impression qu'on était vachement plus près tout à l'heure. J'ai l'impression que plus on avance, plus on s'éloigne. Non? Ah! Objet non causal détecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dans le bon? J'en sais rien. En tout cas, on a de la musique. Il y a un but à ce jeu, j'en sais rien. Vraiment? J'ai lancé le jeu. On a démarré et on a cette boule. Ça fait quoi là? Ça fait ça va faire 50 minutes qu'on a lancé le jeu. Et je ne sais pas du tout, même s'il y a un but, je ne sais pas ce qu'il faut faire. T'es lâché comme ça sur Jupiter? Ou une lune de Jupiter? Tout ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a des espèces de lasers que je dois atteindre. Contact perdu avec l'objet. Quel objet? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas où je dois aller. Là, visiblement, il y a eu un objet que j'ai raté. Et j'aimerais bien retrouver mon laser, là. Ah, je peux aller... Attends, je prends de la vitesse, là. C'est quoi, ça? C'est normal? Elle a ma boule, je sais pas trop ce qu'elle fait. J'ai l'impression d'être dans un creux ici. Tu vois, à chaque fois que je fais ça, ça rentre dans le creux et je vais au même endroit. Donc on va essayer d'en sortir. On sort de ce creux et on retrouve le laser. Laser tout droit, c'est là où je dois aller. Ah, elle grossit pas encore. Ah, j'ai tout droit, on va là-bas. On se rapproche du laser. Ça fait une heure que je dis ça. Là, on va monter, on va escalader la colline, la montagne. Elle descend de la montagne à cheval. Voilà, je dois aller là-bas. Ça, c'est quasiment sûr. Pfiou. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh! T'as vu ça? Et c'est super loin. J'ai l'impression que c'est le bout du monde. Je peux pas aller là-bas? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est trop bizarre. Trop bizarre. Bon, il y avait des espèces de drapeaux là-bas. Je sais pas trop ce que c'était. Ce qui me dérange le plus, en fait, c'est la musique pour le moment. Tu vois, s'il y avait une petite musique un peu cool, ouais, ça pourrait être sympa, mais là, le son, il est vraiment pas agréable. Et j'aimerais bien finir le niveau avant de le relancer, au cas où ce soit un bug. Mais sinon, faut recommencer le niveau de début. Tu vois, là-bas. Il y a un truc, là-bas. Peut-être aller voir, ça. C'est un concept, bon, de l'art abstrait. Carré blanc sur fond blanc.
peux pas remonter, là. J'aimerais bien que ma boule, elle remonte. Comment je fais pour remonter? Tiens, voilà. Ça, c'est nouveau, ça. Ça, on n'a pas encore eu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tout ça, là? Est-ce que je peux faire quelque chose? J'essaie d'aller là-bas. Ce truc-là, là, c'est quoi? Non! Non! Et si j'y vais là-dedans, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça a fait? Il peut pas remonter, là. Il va d'office retomber. Non, non, il va se relever. On va tout droit. Tout droit jusqu'au laser. Je viens de regarder sur YouTube. Faut prendre de la vitesse dans une descente. Faut planer. Ok. Ouais, ben bah on va planer. Ah! Avec LT. Ah, mais j'avais pas vu ça. Ok. Ah, bah j'aurais pu. On aurait pu attendre longtemps. D'accord. Regarde ça. T'as vu ça, ma boule? Ah. Ok, ben il y a deux boutons. Très bien. Ah bah heureusement que t'es là, hein, sinon... ouais, on serait resté là pendant 5 heures. Ouais. Ah, on peut, moi je m'en fous, j'ai toute la soirée. Ça change tout. Et ils l'ont dit, le LT, c'est moi qui l'ai pas lu. C'est juste moi qui ai pas lu les choses, peut-être. Là, tu descends. Et hop, LT. Ah, il y avait le tuto au tout début, ouais, mais j'ai pas lu. J'ai pas lu, évidemment que j'ai pas lu, quoi. Oh là là. Quel nul. Et on va mettre 5 heures pour un jeu qu'on fait 1h30. Bon, soit, on va quitter le jeu, on va relancer, parce que j'ai pas de musique. Pourquoi j'ai pas de musique? Dommage que vous ne puissiez pas être avec nous, commandant. C'est incroyable. Mais j'entends des bruits de vent, de tonnerre. Ça a l'air correct. Le son a pas l'air buggé. Il a juste l'air bizarre. Mais dans le doute, reboot. Kyrinus 2. Non, je crois que le son n'est pas buggé. Je crois qu'on va juste avoir tout doucement du son. C'est juste moi qui ai fait n'importe quoi le premier niveau. Et heureusement, il y a des gens qui suivent ici. Merci Dave, sinon... Oulala. J'aurais mis 1000 ans. Ouais, je visite des planètes. Visiblement, c'est ça. C'est un jeu qui se veut contemplatif. Genre, tu viens ici. Tout au-dessus. Tu te laisses tomber. Perdu. Sérieusement? Oh là là. Et donc on va se laisser planer maintenant vers les lasers à chaque fois.
Ah, j'avais pas vu ce LT. Ah, c'est con, quoi. Tu vois, là-bas, il y avait des lasers. On va essayer d'y aller. Attends, on va essayer de se laisser planer là pour aller jusque là-bas. On monte? On descend? Raté. Chou. Chou. Tiens, c'est quoi ça là-bas? Faut suivre ça? On va essayer de suivre. Ah oui, là il y a une énorme descente montée. On va essayer. Est-ce que je vais y arriver? Le problème c'est est-ce que je vais y arriver? Donc là on peut monter. Ça c'est le but. Ensuite une énorme descente. Voilà. Il faut aller là-bas au bout. Ah c'est joli, ouais. Et honnêtement, pour le moment, je suis pas convaincu. On verra. On va aller voir là-bas, tiens. Voilà. On peut planer. Oh, pourquoi je peux plus le faire? Pourquoi il a pas voulu le faire? Et à mon avis, je dois aller dans le trou là-bas. Voilà, on va se laisser planer. Il faut aller dans le trou, à mon avis. Non? Oh, il a fait n'importe quoi! Sérieusement? Il va pouvoir monter là? Ah non, il peut pas monter. Ah, j'ai raté le trou. Oh là là! Évidemment, et là tu vas dedans et c'est probablement mieux. Bah oui, évidemment. Et évidemment, mais... Tiens, là-bas, c'est un tremplin, ça. On va aller voir ça plus près. Est-ce que je peux avoir un tremplin qui me permette d'aller facilement? Là-bas, oui. Regarde, là, on peut monter quand même. Là, je peux monter et on peut faire tremplin. On est d'accord. Ou pas. Non! Non! Oh, quelle misère! Tourne, mais tourne! Oh là là! Quel enfer! Vas-y, passe par là. Ah, mais sérieusement! On va aller là-bas, on va aller à l'autre. Pourquoi est-ce qu'il a pas voulu monter? Comment je fais pour monter là en haut? Ah tiens, voilà, ici. Voilà. Ah, je peux même pas rester en planeur en mode infini. Ok, intéressant. Il faut vraiment en fait prendre de la vitesse
le plus possible, quand je peux, où je peux. Pas comme ça donc. Raté. Ah, il y a des endroits jolis quand même. Je ne dis pas le contraire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux aller là-dedans? Ça fait quoi là-dedans? Ah, ça me fait monter ça. Ok, très bien. Non, quand je suis en planeur, d'ailleurs là, je ne peux même plus le faire le planeur. Je suis limité. Je suis assez limité quand je suis en planeur. Il faut vraiment que j'arrive à prendre de la vitesse avant, planer un petit peu, reprendre de la vitesse au prochain. C'est ça en fait le butin. C'est qu'à chaque fois que je vais avoir une pente, à moins que le joystick soit inversé, c'est possible aussi. Voilà, hop. Trop bien. Faut vraiment que je fasse à chaque endroit où je peux faire un peu de planeur. Wow. Et quoi, je meurs si je vais dans la lave? Ça a pas l'air. Et je dois aller où là? Par là-bas. Faut faire ça en fait, hein. Faut juste planer. Trouver des pentes. Prendre de la vitesse. Planer. Trouver des pentes. Prendre de la vitesse. Planer. Easy. C'est parti. Donc là, je vais essayer de monter sur cette colline. En planant. On reprend de la vitesse, ici. On plane. On reprend de la vitesse ici. On plane. Ouf. Oh! Vers l'infini et au-delà! Qu'est-ce qu'il fait lui? Eh ben là on arrive vers, vers la fin. Et je vais quand même relancer le jeu parce que c'est normal de pas avoir de musique du tout. Ça me paraît bizarre, moi. Bon, là, la caméra, elle est aux fraises. Je suis pas du tout ce que je suis en train de faire. C'est pas grave. Voilà, on est à la fin du niveau. Donc le but, ça va être ça, à mon avis. Une sorte de courant comme celui-ci. De la foudre, mais stable. On va redémarrer au début d'un niveau. Donc je vais quitter le jeu, le relancer. Normalement, je vais reprendre là où je suis, j'espère. Nautica. La planète O. C'est quoi ce bruit? Éteins-moi ça, je peux pas me concentrer. Les horloges s'affolent, surchargent. Orbiteur Jupiter, on a un problème.
Il y a un incendie. On n'a plus le temps, lancer les capsules de survie. Plus le temps de quoi? Continuer. Donc là, je vais reprendre un outil qu'il y a. Ouais, je peux pas passer. Capture d'écran enregistré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien. J'ai appuyé sur toutes les touches. C'est vraiment le son du jeu. Est-ce que j'aurais pas relancé le jeu? C'est bizarre quoi. Qu'est-ce que je dois faire là? Je sais pas, j'ai plongé dans l'eau. C'était peut-être pas une bonne idée. Là, il y a du son. C'est le son du jeu, ouais, c'est pas ouf. Mais c'est bizarre parce que j'ai entendu des gens dire une bande son épique. Alors peut-être que c'est le début du jeu, mais ça fait quand même au moins une demi-heure. On est dessus. Là, il y a un peu de son, donc ça va. Ce niveau-ci est déjà un peu plus joli. Là, avec l'eau, je peux vraiment me faire des rebonds dans l'eau, là. Ça, c'est très très cool. Des ricochets. Je sais pas si vous êtes bon en ricochet, moi je suis très mauvais. Du coup, ce jeu, ça me permet de prendre un petit peu ma revanche sur mon enfance. Pfiou. Capture d'écran téléchargée vers le réseau Xbox. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Voilà, mon téléphone vient d'avoir la notification. Voilà, capture d'écran. Très bien. J'aime pas comment j'ai fait ça, quoi. Je découvre la technologie. Bonjour. C'est marrant sur l'eau. Sur l'eau, c'est très marrant. Là, il y a une petite mélodie derrière, c'est déjà mieux. Ça va peut-être arriver au fur et à mesure. Déjà mieux, ouais. Tiens, ça je peux prendre. Hop. Oula, c'était quoi ça? C'est vraiment le but, hein, c'est de prendre de la hauteur, s'élancer, prendre de la vitesse. Oula, qu'est-ce qu'il y a eu là? T'entends, il y a des flashbacks comme ça?
Ah, c'est pas moche en son. Hein. C'est quand même assez vide. Je trouve, pour des paysages contemplatifs, ça viendra peut-être après, hein, mais j'aurais bien aimé vraiment plein de trucs un peu partout. Ce niveau est mieux que l'autre. Là, le fait de pouvoir rebondir sur l'eau, j'aime déjà un peu mieux. Oula, je me suis plongé. J'ai trop plongé, là. Boum. Ricochet. J'aurais été mauvais à ça. Il y a une façon de lancer le caillou pour... Il faut prendre un bon petit galet. Bien ovale. Il y a une façon de le lancer. Ouh. On peut surfer un petit peu. Et quoi, je dois aller où là-bas? En face? Je ne sais même pas ce que tu dois faire. Ouf, ça c'est bien ça. Un peu de surf. Et j'ai déjà plus de son. On a déjà fini la musique. Ah tiens, on va essayer de faire ça maintenant. Ça, à mon avis, je peux aller dedans. Et vraiment me faire en mode... Non? Et j'ai raté tout cela. Hein. Comment je peux faire? Vraiment, c'est trop tard. En gros, je dois avoir suffisamment de... Cinq en ricochet. Je suis même pas sûr que j'ai déjà réussi à faire ça dans ma vie. Allez, ricochet, moi j'ai toujours été mauvais. Si, il faut juste explorer les planètes. Je crois que c'est vraiment ça le but. Source d'énergie détectée. Mais à mon avis, il y a des endroits où je peux aller. Que je ne fais pas. Parce que si c'est juste explorer... Ouais, c'est marrant une planète ou deux, mais... T'en fais pas un jeu. Si, peut-être, ouais. Ah, je suis perdu, là. Je dois aller où? Je dois aller là-bas. Boum. Après, c'est vrai que c'est un jeu très très court. Je crois que les gens disent tu le finis entre 1h30 et 2h30. Nous, ça va faire 3 heures parce qu'évidemment, j'ai rien compris au début. Oh ! Oh là là ! Ouais, j'ai cassé la caméra. Que s'est-il passé ? Il faudrait que j'explore les fonds marins. Je sais pas où je suis, là, voilà. Ah, faut aller là-bas. Eh ben. Ah, c'est juste pour faire un petit live ce dimanche. Je suis vraiment tombé dessus par hasard tout à l'heure. Ça avait l'air vraiment très bien. C'était sur le Game Pass. Après, le jeu est quand même à 16€. C'est pas non plus le jeu le moins cher. Aïe. Que s'est-il passé? C'est là-bas que je dois aller. J'aime pas ces fluides. Attendez, je vais... relancer aussi tranquillement ici. Je suis bloqué là, j'ai complètement bloqué. J'ai fait n'importe quoi.
C'est pareil que je dois aller. Ouais, c'était vraiment un live tranquillou. Hein. Comme on n'était pas là hier. Je vais le relancer après. Boum. Et puis c'est bête, mais ça nous permettait de tester la Xbox. C'est notre premier jeu sur Xbox. Première fois qu'on l'allume, qu'on la teste. Bon. Pourquoi pas, c'est très bien. Ce sera pas le jeu de l'année. Hein. Ah bon, il y a eu beaucoup de jeux cette année-ci aussi. Normal. Le vaisseau est joli, je trouve, quand même. Là, l'arrière du vaisseau. J'aime encore bien. Je ne sais plus où est la sortie. J'ai perdu la sortie. J'ai perdu la sortie, c'était où? Oh non! Je crois que j'ai raté. Pour tourner, à mon avis. Pour tourner en arrière. Ouais, la sortie est là-bas. Je peux aller jusque là-bas? Je peux aller jusque là-bas. On va tester, qu'est-ce que ça fait? Non, allez! Non, allez! Allez! Sérieusement, je l'ai raté. Ah, c'est nul. Voilà. On va retourner là-bas. Dommage, je l'ai raté. Tourne en rond. Ah, c'est sûr que j'aurais eu là, le petit carré rouge. On y était presque. Attends, il est où là? Il est là-bas. Sur la gauche, donc là on y va. D'être méga loin. C'est bizarre. C'est si long que ça, je l'ai vraiment raté. Ah peut-être, hein. Visiblement. Visiblement. J'ai raté un raccourci. Allez, remonte. Non! Ah mais ça c'était pas prévu ça. En plein dans le chemin. Pourquoi? Ça, on n'en sait rien ça. Voilà. Et voilà, j'ai de nouveau perdu mon laser. Il est là-bas. Il est là-bas, mais il est... Comment je fais pour l'avoir? Ah si, si, il est... Ouf, qu'est-ce que j'ai fait, là? Ok, c'est bon. Nique la physique. Ah, il est là-bas. On a la sortie du niveau. Mais qu'est-ce qu'elle fait la caméra?
s'est passé là? Impact imminent, moins de 5 secondes. À l'arrêt prévu, qu'est-ce qui s'est passé? Centre de contrôle, l'orbiteur Jupiter est sur le centre de contrôle, attend toujours votre rapport de situation, à vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais juste relancer. L'écran, là, voilà. C'est fini? J'ai rien compris. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ben non. C'est fini le niveau? Fallait juste aller là? Bah oui. Ok, niveau prochain. 0%, 1-1-1-0-0-1-1-0. Présumé mort après avoir perdu le contact avec Jupiter. Il y a maintenant un an. Vient de s'arrimer à la station spatiale internationale. À peine quelques heures après le retour de Jupiter, les télescopes terrestres ont intercepté ce qui semble être un signal extraterrestre. Ok, c'est un peu plus joli ici. T'as toujours un petit peu plus, ça c'est bien. Il remporte haut la main, le plus chelou. Mais oui, mais tellement, quoi. La drogue, c'est mal, s'il vous plaît. Les gens arrivent à faire des speedruns sur ce jeu. T'es pas loin de la fin, c'est possible. Le jeu est vraiment très très court de base. Très 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 court. C'est... Oui, je l'avais fait un peu dans l'optique de gris. C'est vraiment moins bien qu'un gris. Mais il y a quelque chose que j'ai raté. Je dois pas le jouer correctement. Je ne dois pas jouer le jeu correctement. Et toutes les critiques sont positives sur ce jeu. Vraiment. Tout le monde le trouve très très bien. Je dois pas être tout le monde, quoi. C'est possible. Après, il est joli, oui. Ouais, le soleil, il est beau. C'est vrai. Les ricochets sont marrants, ouais. Bon. C'est la bande son qui me déçoit le plus pour le moment. Tu vois, parfois il y a du son, c'est très cool, et t'en as pendant 2 minutes, et puis c'est fini. Ce niveau-ci est pas mal, hein. C'est encore assez joli. Les couleurs sont jolies. Tu vois, il y a des endroits où je peux aller, là-bas à droite, visiblement. Il y a des petites... Faut vraiment explorer. C'est peut-être moi, en fait. Faut peut-être beaucoup plus explorer le jeu. C'est ça, le truc. Ça tombe, je peux aller au fond de l'océan. Voir les fonds marins. Ouh, qu'est-ce que c'était que ça? Il y a parfois des flashbacks très bizarres. Je peux pas te le cacher. Ouh, c'était bien ça. Un petit vol plané là. Objet source d'énergie à... Quoi? On prend rien. Voilà, là on va aller sur la route. Sur la route. Une qui va encore dire, mais qu'est-ce que... Allez, arrête, quoi. Est-ce que je dois aller là-bas? T'as vraiment... aucune indication. On plane sur les dunes. Sur les dunes abandonnées.
Ah oui, oh, c'était beau ça. Là j'ai pris de la vitesse, on l'a entendu? Faut vraiment apprendre à le jouer. Je crois que c'est ça, je crois que c'est vraiment ça qui manque. C'est apprendre en fait avec la gravité à jouer correctement avec les... Qu'est-ce que j'ai fait là? Non! Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis laissé emporter. Oh mais encore que? Encore que? Allez la caméra. La caméra est aux fraises parfois. Ça se dit ça, oui ça se dit. Oh! C'est vers là que je vais aller. Regarde ça. Je crois que je dois aller ici. Non? Je vois plus mon vaisseau. Où est-ce qu'il est mon vaisseau? Non! Non! Tourne! C'est là que je dois aller. Non, non, non. Là ici? Vas-y, tourne là, tombe là. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah, où là-bas? Ah, ça m'intéresse, hein. Si tu me dis que tes sons sont complètement différents. C'est qu'il y a un truc complètement bizarre chez moi, ce qui est possible. Tout est possible. C'est où que je dois aller ici? C'est vers le soleil là-bas? J'ai aucune idée d'où je dois aller. Dans ce cas-là, on y va. On va dans l'espace. Ah ouais. Quand même. C'est compliqué, c'est de savoir où aller, en fait. Je me demande, c'est pas là que je dois aller. Vers le soleil. C'est la seule indication que j'ai. Ah non. Non, non, je dois aller là-bas. Vers un des deux... Succès déverrouillé. Vous avez maintenu une vitesse supérieure à celle du son pendant 6 secondes sur Nautica. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Succès peu fréquent déverrouillé. Vous avez atteint une hauteur spectaculaire. J'en sais rien, je sais pas ce que je fais. Je sais pas où je... Qu'est-ce que je dois faire? Je sais même pas où je dois aller. C'est là-bas que je dois aller? Me rapprocher du soleil? C'est bizarre, hein, là, les couleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cassé le jeu. Sérieusement. J'ai pour le succès. Je pense qu'il faut jouer avec les éléments de la gravité. Bah oui, je sais pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe là? C'est où le sol? Je comprends plus, je sais plus où je suis là. Regarde ça. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, je vais me laisser tomber complètement là parce que je crois que j'ai fait n'importe quoi. On est allé au fin fond de l'espace. Je crois qu'on a cassé le jeu. Ah, j'ai vu là-bas, il y avait le soleil. Enfin, j'ai mal à la tête. Regarde ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de gerber. Oh. Sérieusement, je suis où là? Où est-ce que je suis? Là-bas, il y a un soleil. On va retourner vers là-bas. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Sérieusement? Je comprends plus rien. J'ai l'impression que je suis en train de faire du haut bas là. Je suis arrivé genre à une limite entre les deux. Où je passe de l'un à l'autre. C'est trop bizarre, je vais avancer. Je vais avancer sans plus rien toucher. En espérant pouvoir retomber sur la terre ferme. Ah mais j'ai cassé le truc, c'est pas possible. Regarde ça, c'est complètement cassé. Et si je me laisse tomber complètement, en avançant, y a moyen de retomber genre sur la terre ferme? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce qu'on est là? Sérieusement? Je dois reprendre le niveau? Faut peut-être recommencer le niveau. Non mais attends, là je peux rien faire, c'est foutu. Regarde ça, là je suis où? C'est quoi ça? C'est joli, oui, bien sûr, c'est joli, mais je vais où, moi? Je suis dans l'espace, là. Vous avez atteint... On fait qu'on recommence le niveau? C'est normal de faire ça? C'est prévu par le jeu. Mais non, je suis entre deux, là, je suis entre deux mondes. Recommence, je pense. Ouais, je crois que le niveau est complètement cassé. Bon. Et c'est foutu, hein. On va recommencer. Bon. On recommence. Je peux même pas me laisser. Je suis où là? Mais il y a mon soleil là-bas. Le soleil il est là-bas. Est-ce que je peux pas arriver comme à retrouver le soleil? Là-bas. Allez. On suit le soleil. De toute façon, je peux y arriver comme ça. S'il est pas trop loin. Est-ce qu'il a l'air de grandir ou pas? Est-ce qu'on se rapproche? On va recommencer. On va recommencer le niveau, là. Bon. Recommencer le niveau. On recommence le niveau, ouais. Toute progression perdue, moi je veux bien, mais... Et là, il se passe plus rien, j'ai mal à la tête en plus. Moins de perdre une heure, voilà. Je sais même pas où faut aller.
pas compris ce qui s'est passé là. J'ai l'impression qu'on a... Je peux même pas passer ça. Alimentation auxiliaire. Ouais, on a déjà eu ça. Il faut aller vers où ? J'ai l'impression qu'il faut aller vers le soleil. Ou vers les lumières qui sont là. Je vais essayer de faire gaffe. Hein. On va essayer de pas trop prendre de vitesse pour éviter d'être dans l'espace. Pour éviter d'avoir le même problème. Mais voilà, c'est bon, il part tout seul. Ah, c'est déjà plus beau ça. J'ai envie d'aller vers la lumière blanche. C'est pas le but de tout homme, ça ? Aller vers la lumière blanche. Ça doit être un objet. La lumière blanche, c'est un objet. Non, non, je l'ai raté. Ripipi. On va retourner vers la lumière bleue, c'est là où on avait fait tout à l'heure. Ou pas, voilà. Attends, va pas trop loin toi s'il te plaît. Quelque chose me dit que je dois quand même aller. Je sais même pas où je dois aller. Ouais, mais c'est comme l'autre, j'en avais déjà eu un lors du premier niveau, deuxième niveau. Genre ça m'avait donné un boost de vitesse, je pense. Ouf. Qu'est-ce qu'ils me font, eux? Et ça, c'est quoi, ça? Les lumières bleues. Qu'est-ce que je peux faire sur ces lumières bleues? Ah tiens, et ça? J'avais eu ça l'autre fois? Voilà. Le problème, c'est que c'est où la fin du niveau? Suis ton instinct. Arthur, suis ton instinct. Je sais pas ça, non? Regarde ça. Chou. Voici on là. Oh oui! Et ça a servi à quoi? Rien. Absolument rien. Tiens.
Il me dit d'aller là-bas. Comment ça? Ah mais il est là-bas le pic d'énergie là-bas. Chargé à 33%. Quoi, je dois aller charger? Je dois aller prendre toutes mes boules bleues pour charger le truc. Ah, c'est peut-être ça en fait. J'en ai plusieurs à trouver. Et c'est comme ça qu'on finit le niveau. Ah. Voilà, ok, j'ai compris. Oh là là. Chargé à 66%. Maintenant, il y a le troisième. Ok. Et faut le savoir, quoi. Et ouais, donc, en gros, moi, tout à l'heure, dans l'espace, c'était foutu. Là, j'aurais pu chercher très longtemps. Où est-ce qu'il est, le dernier bleu? Il est là-bas. Quelle heure il est? 21h30 déjà, ça passe vite. Bon, maintenant, faut quand même arriver à avoir celui-là. Ça, c'est pas encore gagné. Et après, faudra aller au pic d'énergie. Ok. Donc, faudra refaire tout le chemin dans l'autre sens. Bon, c'est intéressant. Bon. Attends, faut que je fasse gaffe. Parce que j'ai pas envie de faire le même problème que tout à l'heure. Si on avait été dans l'espace là, à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? J'avais été ici? Allez, monte! Allez, petite boule! Ah, le problème c'est que pour celle-ci, j'ai pas le choix. Pour celle-ci, j'ai pas le choix. Faut vraiment descendre et se laisser monter. Voilà, mais pas trop fort non plus parce qu'après... Et je l'ai eu. C'est parti. Énergie chargée à 100%. Allez ouais, ce niveau était un peu plus marrant. En dehors du petit souci qu'on a eu tout à l'heure, c'est là que je dois recommencer parce que je vais de nouveau l'avoir. Va falloir faire gaffe. J'essaye d'avoir le... l'item là-bas, j'essaye, non? Ah, je l'aurais pas. Oh là là. Source d'énergie TKTB. Eh. C'est vrai que la caméra, parfois, elle est vraiment très très loin. Bon, la fin du niveau est là-bas. Ah, il aura duré longtemps celui-là. En même temps, j'ai dû le recommencer. C'est vrai que ça aide pas. Allez. Le monolithe. Yosh. Nous y voilà, la fin du niveau.
Clara, je croyais que tu étais mort. Je pensais. Tu as dû sentir si seule. Daramulum. Daramulum. Lumlumlum. Le signal vient de Jupiter, n'est-ce pas? Impossible de terminer son origine exacte. Il est tout autour de nous. Qu'est-ce que je dois faire ici? Oh, je l'ai raté. Comment tu veux que je l'aie celui-là? C'est bon. J'étais déjà pas en train de voler dès le début. Ah, je l'ai raté de nous. Oh là là. J'ai raté tous les trucs cools du niveau là déjà. Ensuite. Ok, là, qu'est-ce que je peux faire? Là, je vais à contre-courant. Pas. Ah, je l'ai raté. Je vais suivre les feuilles. Ça a l'air d'être pas trop mal comme idée. Les niveaux sont très inégaux. Celui-ci me paraît un peu plus joli encore que les autres. Ça prend quand même de l'ampleur. Les niveaux prennent vraiment de l'ampleur, là. C'est pas hyper, hyper fluide, honnêtement. Bon, ça va quoi. Je peux monter là? Est-ce qu'il va vouloir monter? Eh bien, il va pouvoir monter. Je continue à suivre les feuilles. Parce que pourquoi pas? Sauf que là, je ne sais plus avancer si. Je peux aller par là? Non, je peux pas aller par là. Donc là, c'est pas le chemin. Est-ce que il faut que j'arrive à monter? Peut-être. Peut-être que le but est d'arriver à monter. Là-bas, le truc là-bas, ça me dit quelque chose quand même, à mon avis. Ce truc là, comment je fais pour y aller? Et parce que c'est pas de la plateforme, hein, donc... Ah, on peut jump en appuyant sur A, ouais, tout à fait, merci. T'as beaucoup de son, donc t'as plus de son que moi. Donc j'ai un problème avec mon son, tu me le confirmes. Ah, j'ai même pas vu qu'on pouvait sauter avec A. Ça change tout. Juste avant l'incendie. T'as un double jump en appuyant sur A. J'ai même pas lu le tutoriel. J'aurais peut-être dû le tutoriel. Ça, c'est le problème. On a suivi le tutoriel. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu? Déplacement.
Qu'est-ce qui se passe là? Ah, faut quitter le jeu et le relancer. Ah, j'aurais vraiment eu un souci de son. Ah, c'est con. Ah, écoute, je vais quand même finir le niveau. Ah, c'est dommage ça. J'ai eu un problème de son. Ah, ça explique tout aussi. Ouais, la musique est plutôt agréable. Moi, ouais, malheureusement, ça a été tout le contraire ici. Ça, c'est dommage. Ça a tout cassé, parce que c'est ça le but du jeu, c'est d'avoir une musique agréable. Je vais quand même quitter le jeu et relancer après. Peut-être qu'il reste même qu'un niveau, au pire, ou deux. Mais si on peut au moins avoir la fin avec un son correct. Mais je sais pas ce que je dois faire là. Je suis ce truc là, non? Voilà, ma caméra est buggée. Ma caméra est buggée. Qu'est-ce qu'il fait là? À mon avis, je devais me mettre sur les rails là et avancer. Allez, avance! Mais je dois aller là-bas. Il veut pas avancer, pourquoi? Attendez, on va revenir en arrière. C'est assez bizarre cette... Oh! Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il va dans l'autre sens. Allez! C'est quoi ce niveau? C'est moi qui comprends pas le niveau? C'est moi qui comprends pas le niveau. Très très bizarre. Allez, il faut aller de l'autre côté, faut aller de l'autre côté. Mais non, j'ai ma... Et vraiment, j'ai mon joystick qui va de l'autre côté, là. Allez, vas-y, avance. Voilà. Et là, en fait, il faut suivre comme... Allez, non, non, non. Oh, quel enfer. Et ça bouge tout seul, hein. En fait, là, je ne fais rien, ça bouge tout seul. Quel enfer. Ça fait très mal à la tête, en plus ça bouge dans tous les sens. J'essaye tant bien que mal de le garder tout droit. Là j'y vais vraiment au micromètre. Pour essayer de rester tout droit. Voilà, là j'essaye vraiment de rester... Là-dessus, faut qu'il avance vers la boule rouge. Oh là là. C'était pas au point à ce niveau. On peut pas. Est-ce que je suis encore dans un... Non. La fin du niveau, elle a l'air d'être là-bas. Allez, on finit ce niveau-là. Puis on relance. J'ai peur que si je relance... Ici. Oh là, il est là-bas.
En fait, c'est comme si j'avais le son que des effets et pas de la musique. Non, faut que j'aille là-bas. Ouais. On finit ce niveau-là. J'aurais dû le relancer dès le deuxième niveau. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Voilà. Donc faut aller là-bas. Faut arriver à aller là-bas. Ah, le niveau avec la boule là, c'était pas terrible. Honnêtement. C'était pas très précis leur commande. Oh la tour Eiffel. J'ai cru voir la tour Eiffel. Comment je fais pour monter? Faut monter où? C'est très bizarre. Ah, je sais pas, j'ai quand même lancé assez tôt dans la journée le jeu, le téléchargement. Il me semble qu'il avait fini de télécharger. Ah non, oui, tout est possible. Où est-ce que je dois aller? Je dois aller là-bas. Par où je fais pour aller là-bas, moi? Je peux monter, là. Est-ce que je peux monter? On va juste essayer de terminer ce niveau-là, si j'y arrive. Est-il encore arrivé à trouver par où je peux monter? Point d'énergie détecté, ouais. Voilà. J'ai l'impression que ça s'est pas gagné, par contre. Trouver la sortie de ce niveau. Là où j'étais tout à l'heure, c'était bien. C'est juste que je suis tombé. Mais je crois que j'étais bien de l'autre côté. Je peux monter là? Ah, par là, je peux peut-être monter. Ou pas. Ok, donc on va se laisser tomber par là. Succès déverrouillé, ok. Mur du son, encore une fois, très bien. C'est pas ça que j'ai envie de faire, moi, j'ai envie d'arriver à monter. Ah, mais attends, là, il y a un truc, là. Énergie détectée. Est-ce que je peux arriver à l'avoir, l'énergie qui est là? C'est là? Ah, j'ai pas vu. Bon, soit, c'est pas grave. Et comment je fais pour remonter? En vrai, là, je peux monter, ok, très bien. Quoi, c'est par là que je dois aller? En mode sur la gauche, là? Peut-être, hein.
Par là, à mon avis. On va essayer de monter là tout en haut. Ah, là, je vois la sortie. Ah, ce double saut, quoi. J'ai vraiment tout raté, en fait. On a vraiment tout raté. C'est de l'eau, là. Ça a l'air. C'est vrai qu'on avait déjà eu des problèmes sur le jeu. On avait dû le relancer, d'ailleurs, une première fois. J'avais pas réussi à le lancer. Ah, mais je suis bloqué, là. Là, je suis bloqué. Pourquoi ? Je peux monter, là ? Ah oui, ici, on peut monter. Quoi, c'est là et après? Oh là, la caméra. Ah tiens, après je dois aller là. Sur ce tronc. Sur le tronc d'Avignon. C'est ça qu'il faut faire. Ah, j'espère que je vais pas tomber, hein, parce que si je tombe là et qu'il faut recommencer, je pleure. Hein. Oh, préparez les mouchoirs, préparez les mouchoirs. C'est quoi ce chemin que j'ai pris? C'est par là qu'il faut aller? Mais non, c'est pas par là qu'il faut aller. Bah écoute, si. En tout cas, ça passe. Je sais pas si c'est le bon chemin. Mais ça passe. Très bonne soirée à toi, Pascal. À très bientôt. Demain, on est sur New World. Demain, normalement, on revient avec Mewen sur New World. Oh, c'est bon, c'est fini. On va relancer le jeu. Alors peut-être qu'on aura un peu de musique. Peut-être qu'on aura un peu de musique. Eh ben. Voilà. Donc là, on finit le niveau. On va relancer avec de la musique. Hein. Même s'il reste qu'une demi-heure, une demi-heure sous musique, ce sera mieux. Je n'ai plus le même qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est vrai que même les voix sont bizarres. Nations ont confirmé que la construction de la sonde extraterrestre était en cours. Commandant solitaire est pressenti pour piloter la navette baptisée Exo-One. Autant être clair, ce voyage est un aller simple. À quelle heure demain? Alors notre live demain sera vers 19h30-20h. Coronide. Bah donc ici on a une nouvelle planète, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord menu principal, oui, voilà. Là, j'ai continué, donc on va venir ici, accueil. On va quitter le jeu. On va le relancer. Donc vers 19h30, 20h demain, on va faire un petit live sur New World, tranquillement.
Faudrait peut-être que je rallume la console aussi. Hein. Si après 21... Oui, on sera normalement toujours là. Généralement, on fait jusque 22h, 22h30. Donc là, je relance le jeu. Continuer. Ça a l'air toujours aussi bizarre. Ah, c'est peut-être ma carte de capture qui déconne. Hein. Le truc, c'est que les sons de Xbox et les sons des succès sont les bons. Là, j'ai pas de problème là-dessus. Par contre, le jeu a l'air d'être... Là, il y en a un petit peu du son, ouais. Ouais, faudrait que j'essaye sur PC. C'est vrai qu'ici, là, on est sur Xbox. Je regarderai un peu sur PC si ça fait ça aussi. C'est quand même bizarre, hein. J'avais cru entendre que la bande-son était vraiment bien. Et là, c'est vrai que moi, ça fait quand même quelque chose de très bizarre. À mon avis, c'est mon jeu qui a un souci, hein. Mon installation peut-être a eu un problème. Où est-ce qu'il faut aller, là? Là, ça change rien, c'est toujours aussi bizarre. Ah, je dois aller là-bas. Faut que j'arrive à m'envoler, en fait, ici. Ok. Là, en fait, ici, il faut que j'arrive. Ouais. Le son lag et grésille. Là, faudrait voir, parce que moi, ça grésille pas, ici. C'est peut-être la carte de capture qui déconne, alors. Ça fait, moi, ça me fait un son un peu bizarre. Non, ça crépite pas normalement. Ça crépite. Ouais, mais je crois que mon son est un peu déconnant alors. J'essaie de le relancer quand même une dernière fois, sait-on jamais. Là. Ouais, on a vraiment eu un problème de son. Malheureusement, on aurait eu un problème de son sur ce jeu. Donc on aura perdu une partie, à mon avis... Je sais pas pourquoi. Donc il faut que j'arrive à décoller. Qu'on arrive à s'enlever en fait de cette voûte de planète. Qu'on aille ailleurs. Tiens, c'est bon, là, je suis dans les satellites. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'on a suivi.
L'halo de la planète? Faut que j'aille là-bas. Comment je fais pour aller là-bas? Faut que j'arrive à quitter la planète. J'ai quitté, mais c'est pas la bonne. Faut que j'la quitte pour aller là-bas. Où est-ce qu'elle est là? Je suis là-bas. On verra si j'arrive comme ça. Ou pas, hein. Ouais, j'aurais peut-être dû redémarrer la console. C'est vrai que j'ai pas redémarré même après le téléchargement. Et qu'est-ce que je peux faire là? C'est bon, je suis pas... J'avance là ou pas? Je vais vers la sortie? Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avancer. Donc je vais me relaisser retomber vers la planète. Et juste avant, on va essayer de faire ça. On se reprend ici dans l'halo. Je sais même pas où je suis là, je vois pas du tout où est mon... Ah voilà. Donc là je suis avec eux. Et là, allez, laisse-toi aller maintenant. Ah, je suis pas dedans. Oh là là. C'est un peu un calvaire là pour bouger. Ah, oh, je sais même plus où je suis là. Quoi, là je peux pas me... Et la caméra qui est complètement déconnante, là je sais pas du tout où je suis. Voilà, là j'avance. Là j'avance, je crois que c'est bon. Là je crois que c'est bon, là je crois que j'avance. Voilà. Pas évident ce niveau. Je crois que la caméra est un peu à l'ouest. Je crois que j'avance, hein, j'ai l'impression, non? Le caillou là, il bouge ou pas? Je sais pas. Je peux du tout si j'avance là vers... vers la fin. Si je me laisse retomber, je retombe vers où? Vers une autre planète qui est pas du tout... Oula! Là, on va aller vers le soleil. Je suis où, là? Je suis là. Je suis du mauvais côté, là, évidemment. La planète... Ah non, il est là-bas. Je vais là-bas, je crois. Oh là là. Et c'est pas très précis, ce niveau. Il m'a pas l'air très précis. Je vais essayer d'aller là-bas. Ah non, j'ai raté. Ouais, mais là c'est bon, là je suis... C'est là-bas que je dois aller. Je suis pas du tout du bon côté de la planète. Thank you.
J'essaie d'aller par un autre endroit. On verra. Là, il y a Hera qui arrive. Où est-ce que c'est la sortie? La sortie est là-bas, je l'ai vue. Voilà. Allez! C'est moins fun que les autres, là, ce niveau. Là, vraiment... Je crois que je me suis... J'hésite à recommencer, d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression que je me suis fait un peu... avoir que je suis un peu du mauvais côté. Mauvais côté de la planète, et que ça devient un peu galère. Pour aller sur le bon caillou. Paf. Voilà, ok, il a fait n'importe quoi là, mon vaisseau. T'es pas à contre-sens, c'est fort possible. C'est fort possible, bon, on y arrive, voilà, on va... Là, on y arrive tout doucement vers ce truc-là. Comment ça? Pourquoi il descend? Oh! T'y étais? On a mis le vaisseau! Je sais même pas si j'y vais là. J'ai l'impression de me rapprocher, mais je suis même pas sûr. La caméra elle fait telle. Je fais rien là. C'est la caméra qui fait ça toute seule. Qui bouge dans tous les sens. Je fais qu'avancer là. Ouais, je fais qu'avancer et là la caméra je vois plus rien. Oh là là. Ouais, on dirait que j'avance, ouais. Tout doucement. Et lentement mais sûrement. Hein. Bon bah on avance. Hein. Regarde ça ce qu'il fait. Allez. Oh là là, la caméra qui fait n'importe quoi. Oh là là. Allez, avance doucement vers la lumière bleue. Tranquillement, on y va. Et en vrai, heureusement que ça dure pas 10 heures. Là, pour être honnête... On va aller à la fin parce que voilà. Je suis pas convaincu. Le problème de son, bon, probablement ça aide pas. Mais même en dehors de ça, moi honnêtement, la jouabilité, même le côté artistique, je suis pas convaincu. Vraiment. Honnêtement, j'en ai entendu beaucoup de bien de ce jeu. Ouais, c'est pas super fun, pour être honnête. Alors ça va, c'est gratuit, c'est dans le Game Pass. Sojournous. C'est pas très pratique à jouer, non. Il y a certains niveaux, ça va. Niveau élevé de flux magnétique atmosphérique détecté. Mais c'est pas précis. Ce jeu n'est pas précis. Et en vrai, c'est pas super fun en fait. Oula. J'ai cru que j'avais quitté OBS.
Oula. Et je dois aller où maintenant? C'est toujours ça le problème, c'est que tu sais pas où aller. Et en dehors de pas savoir où aller, la caméra fait parfois un peu n'importe quoi. Ouais, je dois aller là-bas. Voilà, et en plus, je vais pas pouvoir faire ce que je veux si jamais je vais pas assez vite. Et on verra, mais je ne suis même pas sûr. Ah, je ne peux pas faire ici. Je peux pas planer. Ok, on verra. En vrai, je suis pas certain de le finir. Ça dépend un peu si vraiment je suis là ou pas du bout. Ah, je vais pas me faire une heure en plus comme ça. Le concept est marrant, ça je dois l'avouer. C'est pas forcément moche. Il y a vraiment des décors parfois un peu jolis. Ah non, mais je suis retombé dans l'autre sens. Comment ça? Voilà. C'est un peu... Ouais, mais tu vois, ça, voilà, vraiment, les effets de lumière sont pas moches. On peut le dire, mais c'est quand même... assez vide. On peut pas dire que c'est moche. Mais c'est pas non plus... La claque de l'année. C'est juste que ça manque un peu de précision. Je trouve sur les contrôles. Sur... Après voilà, c'est peut-être moi qui joue pas forcément comme il faut, c'est peut-être pas mon style de jeu aussi. Moi c'est vraiment pas le genre de jeu sur lequel je mettrais un 15 sur 20, hein. Personnellement. Mais c'est très artistique, ouais. Mais un gris par exemple, j'avais trouvé gris beaucoup mieux. Mais voilà, j'ai visiblement un problème de son. Donc ça fausse déjà une grande partie, parce que ce genre de jeu, c'est une bande son, ça joue beaucoup. Donc faut que je prenne ça en compte aussi, hein. Faudrait que j'essaye sur le PC. Je vais le réinstaller sur PC, voir si j'arrive à avoir un son correct, essayer de revoir un petit peu ce que ça donne. Et en fait, à jouer, vu que c'est pas précis du tout, bah moi j'aime bien les jeux précis, voilà. Là parfois tu vas dans certains sens, tu sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Je veux dire, j'ai déjà mis 2 heures à comprendre le double saut, c'est parce que tu me l'as dit, donc évidemment ça aide pas non plus. Si j'ai pas lu le tuto. Mais tu vois, là je dois aller là-bas, il y a du vent partout. Ça me fait aller n'importe où. Sérieusement. T'es pas aussi patiente que moi. T'aurais pas été aussi lent. Là je vais quand même essayer d'aller au bout, je veux dire, je sais que c'est un jeu qui est assez court. Donc à mon avis, je dois pas forcément être très loin. Maintenant, j'ai perdu beaucoup de temps à certains endroits.
Est-ce que du coup, le fait d'avoir perdu beaucoup de temps... Je vais faire des doubles sauts jusque là-bas. Je vais faire des doubles sauts. Non, allez, vas-y, non. Non. Allez. Ah, mais je vais faire autant de doubles sauts que je veux, en fait. Et en vrai, Code Vein, qui s'est fait complètement démonter par les critiques, qui a reçu une très 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 mauvaise note. Et si je devais conseiller un jeu, moi je conseille Code Vein par rapport à ça. Hein. Regarde, voilà, j'ai un peu n'importe où. Faut juste aller là-bas. Oh. Code Vein était très cool, ouais, tout à fait. Attention, ici, il y a des bonnes choses aussi. Hein. Le concept est marrant. Allez, non! Ouf. C'est juste que c'est quand même... Là, je fais la même chose depuis 2 heures, à peu près. Enfin, pas à peu près, on fait la même chose depuis 2 heures. Et là, faut aller là-bas, bon, bah... Je peux sauter là. Dès que je fais ça. Ok, dès que je touche, je peux sauter. Ouais, c'est hyper répétitif. Là, vraiment, c'est super répétitif. En fait, j'ai 2 touches. Depuis le début du jeu. Il n'y a rien d'autre. Et surtout cette bande son. Allez, allez, non, non. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? On voyait plus rien. Et là, en gros, je suis de l'autre côté. Ça m'a complètement fait perdre. Allez, hop, on saute une fois, on saute 2 fois, on s'est raté, c'est pas grave. Il va me rester combien de planètes après? Et c'est... J'ai pas l'impression d'avancer, là, j'ai l'impression qu'on n'avance pas du tout. Vers l'objectif. C'est peut-être moi, hein. J'ai l'impression de pas du tout avancer vers l'objectif. Visualise ton objectif. Faut que je joue mieux avec tout ça, mais je peux même pas planer ici. Je peux vraiment pas planer sur... Il recule en fait le vaisseau. Ah, j'ai même pas mis mes alertes, quoi. Merci Scottito pour le follow, bienvenue à toi. 3 niveaux après celui-là. Oh là là. Là j'ai le vent qui... Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Ouais, on va aller jusqu'au bout quand même. Tant pis.
Et salut Scottito. J'espère que tu passes une très bonne soirée. Oula, stockage d'énergie 10%. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Non, non. Ah, je peux planer. Oh oui, merci. Oh, on revit. Allez. Descente activée. Effet activé. Sous antigravité activé. Vas-y, vole jusqu'à la fin. Vole jusqu'au bout du jeu. Ah, je veux bien un café, Maywen, s'il te plaît. Ou un truc à boire, ou... Ah, n'importe. Quelque chose pour me tenir éveillé, là, jusque 23h. Autant qu'on finisse ça. Allez, le bout du niveau est là-bas, quoi. Allez, non, non. Bien. Ah, t'es dans le lit. Ah. Oh, pas de problème. Ah, tout le monde dort, bah très bien. Il ne reste plus que moi. Mais elle est où la fin du niveau? Et ça fait genre combien de temps qu'on est dedans? Le nom du jeu, c'est Exoan. Attends, je vais te l'écrire. Il est disponible sur le... Ah bah Mewen l'a fait, voilà. Disponible sur le Xbox Game Pass. C'est moi qui ai raté la sortie? Ah non, elle est là-bas. La sortie est là-bas. Et mais honnêtement, faut vraiment avoir aucun jeu à faire pour pouvoir aller dessus. Là, on va vraiment aller au bout. Parce que c'est pas long. Mais je trouve pas super fun, honnêtement. Là, on finit le niveau. Il s'est rien passé dans ce niveau. Là, il se passe rien. 2h30. Je suis très lent, par contre. Oula. Je crois que j'aurais déjà dû l'avoir fini depuis longtemps. J'ai juste pas bien compris les mécanismes, surtout au début. Et il paraît en plus le son. Le son est un peu foirant ici. Relance la console, le son est vraiment horrible. On essaye de faire ça, écoutez, on va faire ça. On va relancer la console. Dans le doute. Ouais, changeons de paysage, écoutez. Menu principal. J'essaye. Écoutez, on essaye, voilà. On va retourner à l'écran d'accueil. J'éteins la console. On verra ce que ça fait pour le live. Si ça tombe, ça va complètement la planter. On verra. On la relance. Déjà, on va voir si j'arrive à récupérer l'image sur le live. Ça, c'est pas gagné. Si. Donc écoutez, on relance le jeu. Continuer. Darwin 3. Je sais pas si ça change quelque chose. Moi j'ai toujours le même son ici. Je sais pas si pour vous ça change quelque chose ou pas.
toujours aussi bizarre. Ouais, c'est vraiment... Je sais pas ce qu'il y a. Pas vraiment agréable. Ouais, je dois avoir un problème. Toujours le petit crépitement. Bah, ça doit être la carte de capture qui a un problème. Malheureusement. Ah, je suis désolé. La première fois qu'on essaye de faire notre live Xbox, on doit avoir un petit souci quelque part. Ah, je peux peut-être essayer quand même quelque chose encore. Attendez, je vais essayer quelque chose. Peut-être que ça va changer, peut-être pas. Voilà. On retire complètement tout. On remet. Ça a peut-être rien changé. C'est bizarre. Hein. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça ferait ça? Ah, j'espère que ça ne fera pas la même chose jeudi sur Astérix. On verra. Ah, on va aller au bout et puis on verra bien. Et ce qui est marrant, c'est que je suis censé avoir le même son que vous, moi ça va. À part qu'il n'y a pas tellement de musique. J'ai pas l'impression que c'est là que je dois aller. Là, j'ai l'impression d'avoir un item. Je l'ai eu ou pas? Là, je l'ai eu. Plus de puissance. Eh ben, puissance augmentée. Parfait, très bien. Non, non, j'ai pas branché les écouteurs sur ma manette. Ça va être ma carte de capture de la console qui a un petit souci. Ah, ça me est déjà arrivé. Cela de base, j'ai le même retour que vous. Plus ou moins. Ah tiens, si je fais ça, ça change quelque chose ou pas? Si je vous retire le son complètement. Puis que je le remets, ça n'a rien changé. Ah bah merci beaucoup pour le message. Ouais, en effet, c'est pas très très grave. Là, je pourrais peut-être couper le son hein, si vraiment ça crépite trop. On peut le couper. Avec les effets de vent, ouais. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Ah, attends, peut-être que... On verra, là. T'as fait toujours la même chose, là. Maintenant, c'est vrai que le vent... crépite aussi en fait dans mes écouteurs. Ah, je vais aller là-bas quoi.
Ah bah je ne sais pas. Je réécouterai après la vidéo. Savoir ce qu'on a pu avoir. Oula. Oula là là. Et salut Sovania et merci pour le raid, bienvenue à tous. Bon bah vous arrivez un peu un petit succès, voilà. J'espère que ton live s'est bien passé. Bienvenue à tous sur ExoOne, un petit jeu du Xbox Game Pass que je ne vous conseille pas forcément. Bienvenue à tous, j'espère que vous passez une très bonne soirée. Et salut, a French couple. Ouais, il est pas vraiment nul, c'est un jeu un peu artistique, mais c'est pas fun, quoi. Je m'amuse pas, vraiment. Là, ça fait 2 heures, et je sais que le jeu est court, donc on va aller au bout, parce que je sais qu'il fait... j'en ai peut-être encore pour une demi-heure. Je trouve pas fun, vraiment. En plus, j'ai des problèmes de son. On a des problèmes de son, là, on n'a pas la musique qu'on est censé avoir sur le jeu, qui était censé être un des éléments positifs du jeu. Je ne l'ai pas. Et en plus, sur le live, il y a des petits crépitements... enfin, vraiment, tout... Voilà, mais le jeu est très bizarre. Très très bizarre. Bon, c'est sur le Game Pass. Non, regarde, non. Ouf, tout juste. Donc ça va, hein, j'ai pas payé pour, mais... C'est très répétitif, je fais la même chose depuis le début. Et bon voilà, t'as cette petite boule qu'il faut amener sur les points bleus, là-bas. C'est bizarre. Ce jeu est bizarre. J'ai vu plein de bonnes critiques dessus. C'est pour ça que j'ai été un petit peu voir ce qu'il faisait. Si je pouvais revenir 2 heures dans le passé, j'aurais été me coucher. C'est une expérience. C'est ça qu'on dit. Hein. Tiens, là, je vais prendre tous les trucs. Le jeu le plus mal vendu du monde, non, mais... Les gens ont très bien vendu, tous les tests sont hyper positifs. Et donc je me suis dit, bah oui... Ah mais le problème c'est moi, voilà. Voilà, là, j'ai raté, voilà. Le problème ça doit être moi. Je dois pas le jouer comme il faut, et ça je suis d'accord. C'est pas pour moi, quoi. Là j'ai tout raté, c'est pas grave. Et là ça va, parce que tu vois, c'est... Succès, voilà. Je comprends rien. Et là ça va encore parce que ce niveau-là est très libre et tu peux faire à peu près ce que tu veux. Là on a eu 2-3 niveaux avant où c'était assez précis les endroits où tu devais aller. Et en fait c'est un jeu qui n'est pas précis dans le gameplay et qui demande parfois certaines actions. Ouais c'est bon, là on a fini. Non, allez. Voilà. Là j'étais censé avoir fini le niveau. J'ai touché la boule bleue, donc c'est fini, mais non. Il a pas voulu parce que je sais pas quoi. Voilà. Est-ce que j'étais peut-être pas assez centré, j'en sais rien. Voilà. Pitié pas les ados. C'est le meilleur exemple. J'étais en plein sur le truc bleu. Ça a pas marché. Pourquoi? Merci. Très bonne soirée à toi. En tout cas, encore merci pour le raid. À très bientôt. Il me reste quoi là? Il me reste 2 niveaux. 22h30. Et mon lit qui m'appelle. On est quoi? Obias 3. Merci beaucoup. Tiens, mais Wayne, tu peux regarder après Obias 3. Il me reste combien de niveaux? Combien de planètes? Il
n'y a plus rien pour moi ici. Je comprends même pas qui on est, ce qu'on fait, quoi. Ici, on est à l'avant-dernier. Allez. Allez, celui-là, puis c'est le dernier. Puis on va se coucher. Et j'ai rarement eu ça, quand même. J'ai vraiment rarement eu ça sur un jeu. Évidemment, il y a du vent là qui me fait dans tous les sens. Mais. Après, il y a des niveaux qui sont jolis. Celui-ci était un peu plus joli que les autres. Enfin, joli. Il y a de très beaux effets de lumière. Ça, je le reconnais. Et je crois que pour apprécier le jeu, il faut aller voir des speedruns. Les gens qui ont vraiment adoré le jeu et qui font des super runs dessus. Ça peut être très agréable. Si, il suffit juste d'aller tout droit. Juste d'aller tout droit vers les petits lasers bleus là-bas. Mais en fait, il y a certaines planètes où il y a des petites tripes. Où t'as du vent, par exemple, voilà, qui t'empêche d'aller tout droit. Ou alors, tu as l'attraction d'une planète qui t'empêche de quitter ton orbite. Ah oui, c'est parce que ça redescend tout seul. En fait, t'es attiré par la gravité. Donc tu vois ici, en fait, je plane. Et en fait, mon planeur va s'arrêter d'office au bout d'un moment. Et je vais retomber par gravité vers la planète. Et donc, je redescends pour reprendre de la vitesse et pour avancer. En gros, c'est ça, quoi. Tu dois vraiment jouer avec la gravité pour prendre de la vitesse et avancer. Et c'est marrant à un niveau. Ça, c'est vrai. Hein, pendant 2 heures... Ouais. Ah, c'est sûrement marrant, hein, y a des gens qui ont aimé. J'avais vu genre 15 sur 20. Tout le monde qui disait, ouais... Une pépite, un ovni sur le Game Pass. Bon. Ça va. C'est sympa. Sympa. Je dois prendre le relief pour aller super vite, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'arrive pas à faire. Et c'est probablement pour ça que je trouve pas le jeu marrant. C'est parce que je le fais pas correctement. Normalement, il faut céder du relief pour aller super vite. Et je crois que moi, je ne l'ai pas fait depuis le début. Je suis sûr que c'est juste ça. Hein. Je suis sûr que le jeu doit être très fun quand on sait jouer. C'est ma faute. Voilà, là je pars en tous les sens. Les solutions sont aussi peu claires que le jeu. Ah bon. Ah attends, là je dois aller là-bas. Hop, le double saut. Ouais, j'ai une touche pour activer la gravité. J'ai une touche qui me permet vraiment d'aller vers la gravité. Et une touche qui me permet après de redécoller. Et c'est là tout l'intérêt du jeu, et c'est ça que j'ai pas réussi à faire ici. Et je suis sûr que si j'avais, tu vois, ici, arrivé à monter ici... Voilà, là j'ai raté. Et si j'avais réussi ça, ça aurait probablement fait un beau move, et j'aurais dit « Ah ouais, c'est probablement bien. » Mais en fait, le jeu n'est pas précis. C'est ça que je lui reproche, c'est que... C'est pas précis, c'est... Enfin, moi j'ai pas trouvé ça évident de faire ça. Ah, ça lag un peu ici. Et donc, je sais pas très bien comment faire pour vraiment prendre le maximum de vitesse. Mais bon. En tout cas, je préfère ces niveaux-ci où je peux aller tout droit jusqu'au point bleu plutôt que l'autre, celui où on avait la gravité, il fallait quitter la planète. Celui avec le soleil. Oh là là. On a eu un ou deux niveaux un peu pénibles. J'ai eu un bug. Et le problème sur ce genre de jeu, c'est que tu sais pas si t'as un bug. Parce que tu sais pas ce qu'il faut faire, tu sais pas ce qui est prévu.
Donc j'ai perdu une demi-heure à cause de ce bug, en me disant bon bah... Voilà, et là je peux rien faire là. Là je peux rien faire, je suis entraîné, j'ai plus de caméra, voilà. La caméra qui bug complètement. Je vais aller où? Je vais aller là-bas, allez. On était bien. Mais le concept est marrant. Franchement, je dois avouer que le concept est bien. Je crois qu'il est à 17€ sur Steam. Moi, personnellement, je ne le mettrai pas. C'est bien parce qu'il est sur le Game Pass ici. Donc si on va arriver au dernier niveau, donc nous on va mettre 2h30 à peu près à finir le jeu. Pour 17€, c'est quand même un peu limite, je trouve. Hop. Mais bon, ici par exemple, ce niveau-là est très joli. Ce niveau-là est vraiment très joli. Ah ouais, mais les speedruns, je crois que pour ce jeu, il faut avoir les speedruns. D'ailleurs, j'irai en voir un à mon avis, parce que ça va être très intéressant de voir un peu ce que les gens arrivent à faire. Et je crois que son jeu prend tout son intérêt à ce niveau-là. C'est vraiment faire un speedrun. Enfin, j'y arrive. Hein. Je vois la fin, là. Je vois la fin du niveau. J'ai des petits lags hein, quand même. Non! Non! Voilà. Ouais, ça, vraiment 17€ ici. J'aurais bien à 9,99€. Ah, 10€, allez. Je trouve que c'est déjà plus honnête. Là, je peux me laisser tomber, ouais. Voilà. Là, j'ai réussi. Je me suis fait une petite descente, remontée. Mais il faut aller voir d'autres avis, hein, parce qu'évidemment, il y a des joueurs qui l'ont mieux joué et ce sera probablement forcément mieux. Merci pour ton follow, The French Couple. Quel accent monstrueux je fais. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Donc normalement, après ça, on arrive au dernier niveau. Les passages en noir et puis en blanc. Ouais, mais c'est encore marrant, quoi. T'as des petits flashbacks comme ça, j'ai l'impression. Oh non! Oh non, non! Oh non, il y a du vent, je suis au bout, allez! Allez! Franchement, je suis au bout, quoi. Sérieusement? Allez! Ça se dit couple? Vu que c'est français. Ah bah... Parfait. Speedrun 40 minutes. C'est possible. Après, le jeu est encore assez nouveau. À mon avis, on aura des speedruns bien plus rapides plus tard. Allez, là, je vais me faire rouler jusqu'au bout. Tranquillement. Allez, quoi. Ah, je peux plus rien faire là en fait, j'ai plus aucune touche qui fonctionne. J'ai l'impression que là, ma boule elle est... Allez! Non! Il y a du vent!
Mais ça s'agrésit aussi de mon côté ici, hein, le vent. Donc, ma carte de capture va lâcher. Bah attends, je vais peut-être remettre le son. Là-bas. Ah. Le son est un peu... Attends, je vais mettre pause. On va... Voilà, on va faire ça déjà, premier temps. Et voilà, ici c'est le bon exemple. Ici donc, je dois aller tout droit vers ce pilier, avec du vent à gauche, à droite, en avançant à deux à l'heure. Donc soit j'ai raté quelque chose, soit c'est pas marrant. Enfin, je suis sûr que c'est pas marrant, et là je vais te bloquer. Et là j'ai l'impression que j'ai pas été assez vite pour aller jusque là. Et là je suis bloqué, je vais devoir recommencer le niveau. Sérieusement? Sérieusement, là je dois recommencer? Ou c'était fait exprès? Dans tous les cas, cette passe-là, elle est pas fun. Je vais juste tout droit, ça va de gauche à droite, essayer d'atteindre le truc. Je suis désolé, c'est pas fun. Je l'ai trouvé, donc c'était fait exprès. Il fallait s'arrêter là, donc c'est normal. C'est vraiment normal, donc ça va, je vais pas rage quit. Mais c'est pas fun, quoi. Désolé. Il y a un hangar dans le désert, bah ouais. On va aller à la suite. C'est le dernier niveau, ça va. On va faire le dernier niveau, quand même. On va aller jusqu'au bout. Mais tu vois, Gris, qui était un jeu très admiratif, très court aussi, bah je me suis laissé emporter dans l'aventure. C'était chouette, le gameplay était simple. Il y avait toujours des petits trucs à faire, des petits puzzles, c'était joli en même temps. Ça allait ici, je sais pas, c'est... Le jeu est contemplatif, mais le gameplay ne suit pas. C'est Action Replay de fin de niveau. Le gameplay vraiment de ce jeu, ça ne va pas. Coilus. Ça apparemment c'est le dernier niveau. On va passer 3 heures dessus. Tu verras que ça va être le niveau de l'enfer. Tu me quittes. J'ai rien compris à l'histoire. J'ai pas suivi non plus. J'aime pas s'il y a une histoire. Genre là par exemple, le son ça crépite. Ou le son est correct. Ouais, là, il y a le vent qui est revenu. Je crois que c'est le vent qui fait tout foirer. Ça crépite toujours, je sais pas ce qu'il y a, c'est vraiment bizarre. Et ça lag, c'est vraiment très bizarre ça par contre. Ah ok, quand je vais là-dedans, je me fais des petites décharges. Ah bon, on va se prendre des nuages alors. Aurait-il fait un niveau fun à la fin du jeu? La musique saccade, ouais. Et tu vois, ce niveau, il est joli. Il y a vraiment des trucs assez cool quand même de temps en temps. Mais je sens que ça va tirer en longueur. Ce niveau va être très joli, très bien. Et puis on va se taper les nuages là pendant 10 minutes. Par contre, il est bien pour le moment. Tu vois, là, je crois que je dois aller tout droit. C'est peut-être un peu moins aléatoire que le niveau d'avant, notamment avec le vent. Tu vas vite. T'as plein de boosts de vitesse ici. Ça, c'est bien. De toute façon, je peux aller là-dedans. Trop tard. Je vais peut-être aller dans le petit nuage, là.
Je sais pas. Boum. Ah mais tiens, je vais peut-être suivre ça, non? Sombre, c'est ça le truc. Le gameplay ici est déjà plus marrant. Hein. Quand on n'a pas la petite boule, on fait juste les vols planés là. Ça c'est pas mal ça. Suivre ce truc là. Là on remonte, c'est très bien. On va peut-être se quitter sur une note positive. C'est le principal, non? Ah, ce sera un petit live là pour le dimanche soir. J'ai l'impression que c'est à 2 mètres ce truc là, mais en fait c'est super lent. Tiens juste Mewen, pour pas que je fasse de bêtises. On dort dans quelle chambre nous? Ce serait con que je me trompe. Hein. Ah non, ok, parfait. Non, très bien. Très bien. Est-ce que c'est là que je dois aller? Je sais pas. Ok, ça marche, parfait. À partir de demain, on reprendra les lives duo. On sera sur New World lundi, demain. Toute la semaine jusque jeudi. Jeudi, on ira sur Astérix. J'ai tellement hâte. Mais j'y suis là ou pas? C'est là le... J'ai l'impression d'être en plein dedans le truc bleu. En fait, non. C'est vraiment particulier hein, le live de ce soir. Au début, on ne devait pas faire de live. C'est juste que j'avais vu ce petit jeu qui durait pas très longtemps. Mais c'est cool, ça a l'air trop bien. On va le faire vite fait ce soir. Mais pour le moment, il y a vraiment que ce niveau-là que je trouvais très agréable. Tout droit, tu contemples un peu, c'est un peu joli. T'as de la vitesse. Événement recréé. Je vois que je vais vraiment avoir aimé que le dernier. 2h55, j'étais très long. J'étais très très long. Normalement on le fait en 1h30, 2h le jeu. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps sur certains niveaux. J'ai eu un plantage à un moment donné aussi. Mais le dernier niveau, c'est ça que j'aurais voulu avoir tout le temps. Un truc très pisse. Très contemplatif, où c'est très fluide, tu peux prendre plein de vitesse. Je pense que j'ai terminé, ouais. Et je suis pas convaincu, je suis vraiment pas convaincu par le jeu. Ah non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, j'ai rien dit. Oula. Je peux bouger là, je peux faire je sais pas quoi. Je peux être dans le trou noir là. Sérieusement? La caméra, parfois, elle est très bizarre. Je comprends pas tout de la caméra. Ouais, je suis dans le trou noir. Hein. Allez, c'est parti. C'est
Théoriquement, à ce niveau d'un trou noir, c'est foutu. Ah ouais, là, c'est foutu. Ah, j'ai dit quand même pas ça souvent. Je crois que c'est même la première fois que je le dis sur un jeu en live. Je suis content que ce soit fini. C'est pas arrivé souvent, ça. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. Je ne le conseille que pour ceux qui l'ont sur Game Pass. Allez-y, téléchargez-le, testez-le. Ça ne coûte rien. Toi, tu l'as déjà dit, ça? Ah oui, c'est vrai que tu l'avais dit sur Unravel, je crois. Il y a des belles choses, hein. Il y a vraiment des belles choses. Tiens, et là, il n'y a plus de vent. Ça crépite toujours, t'as toujours des lags. Si oui, c'est que c'est ma carte de capture. Que je dois redémarrer. La fin est très jolie, ouais, la fin est super bien. Le dernier niveau est super cool. Le dernier niveau et la fin, c'est vraiment top. Faut faire quelque chose, là. C'est peut-être pas fini. On a plus de musique dans tout le jeu. Ouais, maintenant, de ce que tu m'as dit, toi, t'avais un peu plus de musique dans le reste des niveaux, donc c'est peut-être vraiment mon jeu qui a un souci. Hein. La fin. Moi, je voulais voir ça du début à la fin. C'est ça que je voulais voir. Ouais, je vais le réessayer sur PC, de toute façon. C'est, je crois que c'est 2 gigas. 1 giga 9. Or c'est dommage. De base j'aurais dû le faire sur PC, là c'est juste que je voulais tester avec un jeu notre Xbox. Première fois qu'on allait la tester, je me suis dit bah tiens c'est bien, on va faire un petit jeu Game Pass tranquille. J'aurais dû rester sur PC. Hein. PC Master Race. Hein. Toujours faire confiance à sa bonne vieille machine. Bon, en tout cas, la fin est agréable. On va au moins profiter de la cinématique de fin. 40 minutes. Moi, j'ai mis 3 heures, quoi. Je suis long. Heureusement que t'étais là, hein, pour me dire qu'on pouvait planer, qu'on pouvait faire le double saut. T'imagines si j'avais fait sans planer? J'aurais mis 10 heures à faire le jeu, quoi. Bon, évidemment, j'ai pas suivi l'histoire. Si histoire il y a. C'est quoi cette lumière? La délivrance. Mewen qui m'a envoyé un message, là. Vraiment pas terrible. Même avec un mensonge, je sais pas si ça peut rattraper. C'est une petite balade entre un... Ouais. La fin est cool. Vraiment, la fin, par contre, est super cool. Si c'est la fin, je pense que c'est la fin, mais je suis pas sûr. Le son lag toujours. C'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave, on... Ouais, je redémarrerai le PC... On espère que jeudi on n'aura pas ça. Espérons que jeudi pour Astérix, tout aille bien. Je peux faire quelque chose là en fait. Exo One, voilà.
Après, voilà. C'est une personne toute seule qui a fait le jeu, je ne le savais pas. Ah, ils sont trois dans le code. Toute petite équipe. Ça a quand même le mérite. Ça, vraiment... C'est vraiment une toute petite équipe. C'est vraiment pas évident de faire ce genre de jeu... T'as plus de remerciements que tout le reste, quoi. Ouais, c'était intéressant, ça reste quand même une petite soirée. Bah, tu peux aller voir l'histoire sur le net. Waouh, c'est quoi ça? Les remerciements sont les noms des joueurs. Il y a plein de monde. Bon, encore une fois, pour ça, merci au Game Pass. Ah, c'est un Kickstarter, ok. Qui permet justement de pouvoir tester ce genre de jeu, d'y aller sans devoir forcément... Après, je crois qu'il y a une démo. Je crois qu'il y a une démo pour le jeu, gratuite sur Steam. Ça, c'est bien aussi. Donc moi, j'aime bien, ça permet de tester, on voit si on aime bien ou pas. Donc ouais, c'est en effet un Kickstarter, visiblement. Donc c'était ExoOne. Et un petit ovni, en effet. Très particulier. La mécanique est très intéressante, vraiment. Cette mécanique de gravité est vraiment très chouette. Je crois qu'il faut un peu de temps pour la prendre en main. Le speedrun dessus peut être très intéressant. Pas mon style de jeu. C'est vraiment pas mon style de jeu, donc voilà, moi j'ai pas forcément accroché. Je savais que ce serait court, donc aucun problème là-dessus. Quoi, c'est fini là? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux bouger encore. Jupiter. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je reviens au début? J'ai fini ou j'ai pas fini? Je peux encore faire des trucs là? Je sais même pas si j'ai fini. Enfin oui, on a eu le générique. Et je peux faire quoi là? Je suis sur Jupiter et après? Terminer le voyage. Maintenir A. Et faudra pas me le dire deux fois, ça. Ah. J'ai mon chèque a pris froid. Oh, éternue. Oh. Ah, ma belle. 2h55min 30s. C'est à peu près une heure de plus que ce que les gens mettent en moyenne, mais bon, voilà. Ah, je suis lent, je le sais. Ce fut intéressant, pas mon style de jeu. Ça peut plaire à certains. Du bon, du moins bon. Un poil court, quand même. Mais donc voilà, donc moi je m'arrêtais là ici, hein, parce que je pensais pas que ça durerait aussi long. J'ai misé sur 2 heures, donc là j'ai fait 1 heure de plus que prévu. On revient demain. À partir de demain, on est sur New World avec Mewen. On reprend les lives duo toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi Astérix. Baffez-les tous, qui sort, que j'attends vraiment avec impatience, on verra. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de dimanche, une très bonne semaine qui s'annonce. Et on revient demain en forme, je l'espère, avec Mewen, pour la suite de New World. Pas mal du tout. C'est ça, en fait, si t'as le Game Pass, autant l'essayer. Vraiment, ça coûte rien du tout de l'essayer.
Ça vaut la peine, pourquoi pas. Merci pour la découverte de rien. Ce sera pas ma meilleure découverte de l'année, mais je pense que ce genre de jeu peut plaire aux gens. Faut vraiment le tester, et certains pourront vraiment apprécier la mécanique, moi un peu moins. Est-ce comme ça, tous les jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde. Donc voilà, donc, très bonne soirée. À demain pour la suite de New World. On essaye d'atteindre le niveau 50. On avance quand même dans l'histoire principale. Et tout doucement terminer aussi l'histoire principale de New World, ce serait bien. On y arrive un moment. Très bonne soirée. Et à très bientôt.